lieu en fin d'après-midi aujourd'hui. Le Premier ministre Sahane Rajagnat, le vice-premier ministre Paul Biranger, ainsi que l'ancien président Kassamouti étaient dans la foule venus rendre un dernier hommage au Maulana. Il a été enterré à Lidga, à Valipito. Son éminence, le Maulana Mohamed Ibrahim Kushtar Siddiqui Kadri Razvi, est décédé hier des suites d'une longue maladie. Fondateur de la société Sunni Razvi International, le Maulana était âgé de 72 ans. Les funérailles du Maulana ont eu lieu en fin d'après-midi aujourd'hui à Lidga, à Valipito. Le convoi mortuaire est sorti de la Sunni Razvi Society à l'ex-rue Magon à Port-Louis pour se rendre en procession à Lidga. Le Premier ministre Sahane Rajagnat, le vice-premier ministre Paul Béranger, de nombreux ministres, des députés, le Lord Mayor Mugesh Virabhadran, l'ex-président de la République Kassam Yudim et bon nombre de fidèles ont tenu à rendre un dernier hommage au Maulana Kushtar. Nous avons perdu un grand imoun, un grand mourichien et un grand musulman. Un grand musulman parce que sous l'influence, le pratique, les connaissances de l'islam dans Maurice, les dernières 40 années, exceptionnelles. Sur le plan de mauritianisme, Maulana Kushtar est un grand amour pour l'île Maurice. Sur le plan humain, et le Maulana est un grand humaniste, Mandimoun qui côtoie l'île de près, connaît qu'au-delà de sa mission religieuse, l'île vraiment accueille tout le monde sans distinction. L'île vraiment apporte un nouveau visage à la coopération de l'islam dans une société multiculturelle et multireligieuse. Le Maulana Kushtar est arrivé à Maurice pour la première fois en 1965 comme khatib, imam à la Djouma Mosquée. Et de Maurice, il a ensuite rayonné au plan international en tant que missionnaire islamique sur les cinq continents. Nous avons tantôt funérailles Maulana Mohamed Ibrahim Kushtar dans Idga Valipito. Parmi Ben Zimoun qui n'a rendu un dernier hommage, c'est un premier ministre et vice-premier ministre. Le Maulana Mohamed Ibrahim Kushtar Siddiqui Kadri Razvi fin mort hier après une longue maladie. Son éminence, le Maulana Kushtar, le même fondateur de la société Sunni Razvi International, lui tient à 72 ans. L'enterrement Maulana Kushtar finit à Liézo dans Idga à Valipito. Les côtes y sortit dans la société Sunni Razvi, ex-Rimagon à Port-Louis, pour aller ensuite à Idga. Premier ministre Sahane Rajagnat, vice-premier ministre Paul Béranger, ban ministre, ban député, Lord Mayor Port-Louis, ex-président République Kassam Yudim, et bon nombre de fidèles société Sunni Razvi, qui viendront un dernier hommage à Maulana Kushtar. Nous avons perdu un grand imoun, un grand mauricien et un grand musulman. Un grand musulman parce que sous l'influence, le pratique et connaissance de l'islam dans Maurice les dernières 40 années exceptionnelles. Sur le plan de mauricianisme, Maulana Kushtar est un grand amour pour l'île Maurice. Sur le plan humain, et le Maulana est un grand humaniste, Mandimoun qui côtoie l'île de près, connaît qu'au-delà de sa mission religieuse, l'île vraiment accueille tout le monde. Sans distinction, l'île vraiment apporte un nouveau visage à la coopération de l'islam dans une société multiculturelle et multireligieuse. Maulana Mohamed Ibrahim Kushtar Siddiqui Kadri Razvi finit Maurice pour la première fois en 1965 comme khatib, imam Djouma Mosquée. Il finit ensuite rayonner le plan mondial à travers les cinq continents quotidiennes missionnaires islamiques.